Coucou tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, let's play sur Super Meat Boy. Un jeu avec un taux de rageitude assez élevé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à y jouer déjà. Mais bon, là, je vais reprendre tous les chapitres en vidéo. Il est vrai que je faisais de moins en moins de vidéos. Et puis, en voyant les abonnés que je perdais, je me suis dit, non. Non, il faut que je me reprenne. Et puis je me suis ressaisi. Et puis je me suis décidé de reprendre un peu d'activité sur ma chaîne. Parce que depuis tout ce temps, je jouais, mais sans partager. Et puis bon. Bon, les premiers niveaux sont assez rapides et sont assez faciles à faire. Mince. Alors, la Warp Zone qui était l'espèce de vortex violet qu'on voyait à gauche, je l'ai déjà prise. Alors bon, comme là, comme vous pouvez le voir, on les enchaîne un par un. S'ils sont très 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 rapides ceux du début. Mince, je voulais essayer de récupérer le bandage, mais. Oups. Je veux bien le récupérer, ce bandage. Bon, au pire des cas, c'est pas grave, on le fera dans. Mince. On le fera dans la finition qui sera certainement l'une des dernières vidéos sur le jeu. Qui sera la finition des niveaux, tout récupérer et tout. Et même essayer de faire le jeu à 100%. Et vu comment il est dur, ça va pas être facile. Hop là. Alors là, il y a un moyen de passer. Entre là, j'y suis arrivé une seule fois, mais depuis, j'y suis jamais. Depuis, je l'ai jamais réussi. Mince, je fais n'importe quoi. Oh. Hop là. Encore là, vu que c'est le tout premier chapitre, donc c'est vrai que les niveaux sont assez simples. Mince. Remince. Hop là. Mince. Alors, on va essayer de tous les avoir en A+. Alors, je peux remarquer que l'on atteint les derniers niveaux du premier. Ah, mince. On est bientôt. Ah, cool. Bandage girl qui était buggé. Ce qui fait qu'on est dans une zone un peu spéciale. Mince. Qui est un peu comme une warp zone, mais un peu différente.
et qui est assez dur quand même, malgré que ce soit une zone du niveau 1. Bon, voilà. Donc, comme on peut le voir, c'est le carré jaune qui est tout en haut à gauche. Donc, on en était mince ici, mais ce qu'il y a, on l'a fait. Donc, ce qui fait que je me suis légèrement raté. Hop là. Ce qui fait qu'on en est ici. Mince. Hop là, et allez, Lil Slugger. J'adore la musique en arrière-plan. Let's go. Donc premier boss, la première mort sur le boss. Et mince. Oh non, c'est la fin en plus. Alors les boss dans les jeux de plateforme, j'aime bien. Ça change des boss avec des PV. Et tout ça qu'on peut rencontrer dans les RPG. Mince. Ah, je l'ai pas vu venir. Bon, on aura quand même pas mal de morts, hein, au cours du jeu. Ça, c'est sûr. Et voilà. Faut quand même monter là-haut. Si je ne me trompe pas, même quand on est en bas, le boss peut nous tuer. Et bien voilà. Bon, on va juste faire un chapitre par vidéo. Petite musique triste avec tout un tas d'écureuils morts. Oh, le petit écureuil est en train de pleurer. Ah, le truc! Bon, hein. Il ne faut pas spécialement prendre en compte le Dark World qui, ça, je l'ai fait hors vidéo, mais. Plus le Light World, et puis ensuite les Wars, enfin toutes les stats qu'il y a là, c'est juste celles que j'avais déjà faites. Mais voilà, là, on a fini le premier chapitre. Et là, on va passer au deuxième, mais cela dans une prochaine vidéo. Ce qui fait que je vous dis ciao tout le monde, et puis portez-vous bien.